Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mercato, voilà. Les vidéos mercato sont très courtes, vous le savez. Donc on va évoquer un petit peu les rumeurs rapides du moment et les rumeurs en termes d'arrivée comme en termes de départ. Voilà. Moi je ne fais que vous relayer les infos. Voilà, c'est un petit peu pour faire vivre la chaîne aussi, puis pour vous, pour ceux qui suivent pas toute l'actualité, voilà, en savoir un peu plus sur l'Olympique Lyonnais du. L'Olympique Lyonnais en ce moment. Donc voilà, alors les rumeurs sont assez simples, hein. On attend l'officialisation parce que je pense que là, il n'y a plus de doute sur l'arrivée de Lacazette, voilà, qui nous vient d'Arsenal, mais qui est gratuit. Le général qui nous revient. Voilà, je suis extrêmement content. Alors je sais que c'est assez rare que je sois content. En même temps, vu la gueule de la saison qu'on a faite, je vais me satisfaire de ça. Très content de l'arrivée de Lacazette, voilà, qui je pense va vraiment amener une touche technique et puis une expérience qui est indéniable. Et puis surtout, on aura un vrai capitaine parce que je pense que ça va être le capitaine. Je pense qu'il y a des rumeurs aussi, et comme j'ai pu l'évoquer plusieurs fois par rapport à Tolisso, Tolisso qui serait sur un retour aussi, ça négocie fort. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas l'officialisation. On a aussi l'arrivée, apparemment c'est bouclé, de Le Pénant. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo Mercato. Le Pénant, joueur d'extrême qualité. Je suis extrêmement content qu'il arrive. Moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois. Ça rigole, mais moi, je l'ai vu jouer. Je peux vous assurer qu'il a plus de qualité que certains de nos milieux. Je ne dirai pas plus parce qu'on va encore faire preuve de bashing contre moi. Je le trouve, mais alors, très très bon. Alors, ok, c'est la Ligue 2. Je sais qu'il y en a qui vont être encore défaitistes dans mes paroles, mais. Moi, je peux vous dire que ce joueur-là, il a énormément de talent. U20, titulaire indiscutable à 19 ans en Ligue 2, c'est pas donné à tout le monde. C'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant. C'est un joueur très très intéressant. Je suis très très content de son arrivée pour 6 millions d'euros. C'est cher parce qu'il lui restait qu'un an de contrat, mais c'est pas cher parce qu'on avait beaucoup de concurrence. Donc Le Pénant, normalement, on attend l'officialisation aussi. Mais Le Pénant qui serait là qui serait à Lyon pour 6 millions d'euros avec l'arrivée de Lacazette. Les rumeurs aussi du jour, Fofana, 30 millions, soi-disant. J'y crois pas du tout à ce prix-là. Je pense pas qu'on va les mettre 30 millions sur un joueur qui a quasiment 30 ans. Voilà, j'en bois mon café tellement je peux vous dire que j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà, Fofana de Lens, hein. Pas la peine que tout le monde le connaît. Donc c'est un très très bon joueur. Voilà, mais moi j'y crois pas à ce prix-là. Peut-être dans les 20 millions, ok, mais dans les 30, j'y crois pas une seule seconde. Et la rumeur qui revient et qui est persistante et que je vais évoquer, c'est Gnonto. Gnonto. Voilà. Italien international, un petit jeune. 33 matchs cette année, mais seulement 9 titulaires avec Zurich. Il vient de faire une passe D avec l'Italie, international italien. 8 buts. On me l'a comparé à Wiltord, joueur très à l'aise techniquement. Plutôt propre dans l'extra-sportif, voilà, contrairement à des Balotelli ou à des Moïse Kean. Très, très propre dans son jeu. Moi, je l'ai vu, alors, bon, me faites pas vanne, là, certains, là. Oui, je l'ai vu jouer, t'as vu jouer, rien du tout, mon pote, ils ont à Zurich, ne me fais pas ta flûte. Mais il y en a, je suis allé me renseigner auprès de spécialistes championnat suisse. Apparemment, c'est un joueur vraiment, vraiment très prometteur, très bon. Donc, j'y crois. Enfin, j'aimerais beaucoup le voir. J'aimerais beaucoup voir ce que ça vaut. Voilà. À voir, hein, ça coûte rien. Et apparemment, c'est un talent. On m'en a dit beaucoup de bien. En termes de départ, j'espère que la qualité ne sera pas trop dégueulasse parce que je vois que j'ai plus de connexion. En termes de départ, ça parle de Boateng à Trabzonspor. Il serait prêt à racheter la moitié de son contrat, c'est-à-dire en gros 1 million, 1 million et demi. Dubois à la Fiorentina pour 12 millions. Et Newcastle, toujours sur Paqueta, pour 60 millions, messieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo Mercato vous aura plu. Et avant qu'on parte, allez, je balance peut-être une saucisse. Jet privé, Lyon, Nice, Nice, Lyon. Lyon, Nice, Nice, Lyon. Posez-vous les bonnes questions. Jet privé, Lyon, Genève. Genève, Lyon. Voilà. Du côté de Nice, on a Galtier. Du côté de Genève, on a Favre. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Parce qu'après, on va dire tu craches sur Peter Bosch. Peter Bosch qui a une moyenne de points équivalente à celle de Jocelyn Gourvennec. Voilà, donc messieurs. Oui, Jocelyn Gourvennec, oui. Mais oui, ça calme. Hein. Voilà. Je ne vais pas être médisant, mais on aimerait fort. De mon côté, du moins, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc on va espérer une fin de un début de mercato palpitant. On va espérer les officialisations rapidement. Et comme dirait Barthes, surtout n'oubliez jamais, messieurs. Abonnez-vous à Julien Legaune déjà.
Ça, il le dit pas, Bart, mais c'est moi qui vous le dis. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait plaisir et ça soutient. Et n'hésitez pas à mettre les pouces. Ciao les gones, ciao les phonotes. Et surtout, n'oubliez jamais. C'est Bart qui l'a dit et il a totalement raison. L'Olympique Lyonnais, c'est effectivement une formidable raison d'être heureux. Ciao.